les questions portail. Et si vous ouvriez la porte vers un monde inconnu? Mes amis, embarquons pour une aventure passionnante. Imaginez-vous devant une porte prête à s'ouvrir sur un portail vers des mondes inexplorés. Que découvririez-vous de l'autre côté de cette frontière mystérieuse? C'est là toute la substance des questions portail, des explorations simples du « et si ». Même si cela semble d'abord être de la pure fantaisie, les questions portail peuvent conduire à des découvertes étonnantes et à des nouvelles solutions. Elles nous aident à repousser les limites de notre pensée et nous ouvrir à de nouvelles possibilités. En utilisant les questions portail, nous pouvons nous transporter dans d'autres situations, mondes et époques, découvrant de nouveaux horizons et perspectives. Cette question stimule notre imagination et notre créativité, nous aide à envisager les problèmes sous des angles inattendus. Prenons un exemple de question portail et analysons-la. Imaginez-vous entrant par une porte ouverte et vous retrouvant dans un autre univers. Que voyez-vous? Les questions portail activent l'imagination et la visualisation, nous ouvrant ainsi les portes vers de nouveaux mondes et opportunités. Elles créent des cadres, comme si, pour nous plonger dans des mondes fantastiques, stimulant notre imagination et nous aidant à envisager les problèmes sous différents angles, tout en nous permettant d'explorer nos désirs et motivations, ainsi que de transférer des principes d'une sphère de vie à une autre, enrichissant ainsi nos connaissances et nos expériences. Exemple de question portail. Imaginez-vous entrant dans une grotte mystérieuse et vous retrouvant dans une autre dimension, où tout est parfait. Quel monde y découvririez-vous? Deuxième exemple. Si vous pouviez passer à travers des portes magiques et vous retrouver dans le passé, que changeriez-vous ou quels enseignements en tireriez-vous? Troisième exemple. Imaginez-vous ouvrant une salle de trône secrète et vous retrouvant à la tête de votre propre royaume. Comment gouverneriez-vous ce monde? Quatrième exemple. Si vous pouviez passer par un portail et parler à n'importe quel personnage historique, qui choisiriez-vous et que lui demanderiez-vous? Cinquième exemple. Imaginez-vous ouvrir une porte sur un univers parallèle et y découvrir votre double. Quelle vie mènerait-il? Sixième exemple. Si vous pouviez passer à travers un portail magique vers le monde de vos livres ou films préférés, où iriez-vous et que feriez-vous là-bas? Septième exemple. Imaginez trouver une vieille carte au trésor et la suivre jusqu'au bout. Que découvririez-vous en chemin? Huitième exemple. Si vous pouviez passer à travers un miroir et vous retrouver dans votre monde idéal, que verriez-vous et comment y vivriez-vous? Neuvième exemple. Imaginez trouver une amulette magique qui ouvre les portes vers une autre époque. Où iriez-vous et que feriez-vous là-bas? Dixième exemple. Si vous pouviez vous retrouver dans le monde de vos rêves les plus audacieux, que réaliseriez-vous et comment le feriez-vous? Mes amis, les questions portail sont votre clé pour découvrir de nouveaux mondes et de nouvelles opportunités. Souvenez-vous, n'importe quelle porte peut devenir votre portail. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un pouce vers le haut, partagez vos réflexions dans les commentaires. Créons ensemble un monde où chacun peut ouvrir la porte vers son propre portail d'aventure.